Qui croit que Jésus est Dieu? Qui croit qu'il n'est pas Dieu? Ok. Alors, depuis quelques jours, le Seigneur m'a mis à cœur de témoigner, en fait, de présenter Christ comme notre Dieu, parce que c'est lui qui est notre message. Et, mais particulièrement de parler de témoignages des prophètes bibliques sur Christ. Qu'est-ce que les prophètes ont dit sur Christ? On va rapidement prendre Luc chapitre 24. Seigneur, que ton règne vienne, que ta parole nous guérisse, nous libère au nom de Yeshua. Luc 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit quoi? L'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Waouh, Seigneur, on acclame Dieu pour cette parole, mes amis, c'est magnifique, c'est fort. Chewing-gum. Merci, ceux qui ont des chewing-gums, est-ce que vous pouvez le mettre de côté? Merci. Vous qui êtes là depuis longtemps, vous savez comment nous fonctionnons dans la présence du Seigneur. Voilà. Alors, ici, le Seigneur va aider deux de ses disciples à qui il a enseigné, qu'il a enseigné pendant des années, pendant 3 ans. Il a marché avec eux, il a parlé avec eux, il a mangé avec eux, il a dormi avec eux, il a prié avec eux. Et là, ils l'ont suivi pendant 3 ans. Christ meurt et ces hommes, notamment Pierre, les apôtres, les 12, n'avaient toujours pas compris le message du maître. Vous vous rendez compte? Ils ont marché avec Jésus-Christ. Ils ont vu des miracles que nous n'avons même pas vus, notamment la résurrection de Lazare. Et à la fin, on nous dira, après la mort et la résurrection du Seigneur, les Écritures nous disent que Christ va ouvrir leur esprit. Mes amis, ça on le dit souvent, votre esprit ne sera jamais ouvert dans une école théologique. Ni dans une assemblée, ni même par moi, ni par qui que ce soit. C'est Dieu lui-même qui a la clé, qui ouvre notre esprit. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils vont faire des écoles bibliques, plusieurs écoles bibliques, formation biblique, hein, ils vont comprendre les Écritures. Vous allez avoir une connaissance, n'est-ce pas, intellectuelle, mais la connaissance révélée. La connaissance spirituelle, ça, Dieu seul peut la donner. Donc nos esprits sont fermés à cause du péché. Fermés à la révélation de Dieu. Et le Seigneur vient et il ouvre. Et là, il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Donc en fait, pendant 3 ans, il leur partageait ces choses, mais ils ne comprenaient pas. Vous voyez? Il dit, je voulais enseigner ces choses-là, mais ils avaient l'esprit fermé. Écoutez bien, j'insiste sur le fait que vous pouvez être un homme très intelligent, une femme très intelligente, ayant de grands diplômes, tout ça, parlant correctement, l'anglais, le français, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas pour autant que vous allez comprendre les Écritures selon Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a autant de doctrines entre ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, d'autres qui disent qu'il n'est que le Fils, d'autres qui disent qu'il a été créé, hein, qu'il n'est pas Dieu le Père, tout ça là. Quand vous grattez un peu, c'est un problème de révélation. Ce n'est pas autre chose. Parce qu'ils essayent de prêcher quelqu'un qui ne s'est pas révélé à eux. Demandez-leur comment est-ce qu'ils ont rencontré Dieu. Ils vous diront, oui, quelqu'un m'a prêché l'évangile. Mais il y en a, ils vont vous dire, on m'a prêché l'évangile, mais avant cela, Christ s'est révélé à moi.
Vous voyez, ce n'est pas pareil. Hein? L'évangile est prêché à tout le monde. Mais Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Il ne se révèle qu'à ses enfants. Alléluia. Ben oui. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages. Et tu les as révélées aux enfants. Oui, je te loue, Père, parce que tu l'as voulu ainsi. Ben oui. Caché aux sages de ce monde. Ils pensaient tout connaître. Et Dieu dit, bon, je vais vous cacher la révélation la plus importante. Et il dit, le Seigneur, que les Écritures parlaient de lui. Mes amis, mais si Jésus, qui est la vérité, dit que les Écritures parlaient de lui, mais de quoi voulez-vous ou de qui voulez-vous que l'on parle d'autre? Mais si ce n'est que de Jésus-Christ. C'est pour cela tout évangile qui n'est pas basé sur Jésus-Christ. C'est un évangile que vous devez rejeter d'emblée. Ne cherchez même pas à creuser, rejetez. Rejetez-le. Amen. Tout doit être sur Christ. Quand j'entends des gens dire, eux là, on nous appelle Jésus-Christ seul. Pas seulement nous, mais toutes les personnes qui croient en la divinité de Jésus-Christ, qui croient qu'il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, que le Père est lui-même. Mais quand ils disent ça, les Jésus seuls, mais ils ne comprennent même pas que les Écritures disent qu'il n'y a que Jésus. Voilà. Vous voyez, non? C'est quand même terrible. Hein? Jésus dit que les Écritures parlaient de lui. Mais qui d'autre que Dieu peut être l'objet central, le sujet central des Écritures? Car Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Donc c'est pour cela, nous parler de « Oh non, mais venez à la maison, on va manger. » Non, on ne veut pas cet évangile-là, manger. On a assez mangé, vous ne voyez pas qu'il y a... On a assez... Voilà, les agapes, ok, mais quand même, on ne base pas l'évangile sur la nourriture, quoi. Voilà. Cet évangile qui veut que les gens ne prient que pour avoir des papiers, ça, ce n'est pas un évangile. C'est pour cela que vous allez inventer des histoires. Moi, quand les gens viennent me voir un jour, juste une parenthèse, un frère est venu me voir pour me dire, frère, prie pour moi, parce que je suis convoqué au tribunal pour mes papiers. Je lui ai dit, le Seigneur m'a dit, pose-lui la question, est-ce qu'il a menti ou pas? Il me dit, comment ça? Je lui ai dit, attends, mais quand tu as été demander ton asile là-bas, tu n'as pas dit que tu faisais partie d'un parti politique? Il m'a dit, si, je lui ai dit, c'est vrai? Il dit, c'est faux. Et je lui ai dit, mais tu veux que moi je prie pour valider ton mensonge? Non, je suis désolé. Va dire là-bas que ça t'a menti, et puis Dieu va te faire grâce, il veut. Enfin, ça, je ferme la parenthèse. Juste pour vous montrer que nous n'avons pas d'autre pouvoir que celui que la parole nous donne. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de gris-gris. Les Écritures. Alors, premièrement, il dit que, premièrement, dans la loi de Moïse, parce que toute cette semaine, on va parler justement de la divinité de Yeshua, sa divinité. Donc, c'est-à-dire la Torah. Torah égale loi. Torah égale enseignement. Voyez ? Et ça veut dire que Jésus nous fait comprendre que l'enseignement, n'est-ce pas, mosaïque. L'enseignement de Moïse avait pour, n'est-ce pas, sujet principal, Christ. Le dénominateur commun de l'enseignement que Moïse a apporté au peuple, c'était Christ. C'est terrible, ça. Mais sous la forme de l'ombre, de, n'est-ce pas, symbole, d'image. Or, qu'est-ce que l'enseignement? L'enseignement, donnez-moi un autre synonyme d'enseignement. Doctrine. Donc, la doctrine de Moïse, c'est ce que Jésus nous fait comprendre ici.
Donc, Jésus voulait dire que la doctrine de Moïse avait pour base Christ. C'est ça, c'est terrible ça. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse, n'est-ce pas, tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, c'est-à-dire dans la doctrine de Moïse. Or, la doctrine ou l'enseignement, c'est quoi? La doctrine, c'est l'enracinement, le fait que des gens soient enracinés. C'est ça l'enseignement. Enseigner, c'est enraciner les gens, c'est creuser pour poser la racine, pour mettre en place le fondement. En fait, l'enseignement, c'est le fondement. Donc, le fondement de Moïse, Christ le dit, c'était lui, c'était Christ. Waouh, Seigneur! Donc, ça veut dire que si vous lisez Moïse, si vous suivez Moïse, si vous lisez Moïse, vous allez finir par découvrir la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez ce que Jésus-Christ lui-même dit par rapport à Moïse. Jean, chapitre 5. Quelqu'un va nous faire la lecture à chaque fois, c'est possible. Donc moi, je fais l'introduction ce soir. Cette semaine, il y aura d'autres intervenants. On sera là pour s'encourager mutuellement, mais chacun va pouvoir partager sur Christ. Jean chapitre 5, à partir du verset 45 et 46, 45 et 47. Ne croyez pas que je vous accuserai devant mon Père. Moïse, sur qui vous fondez, est celui qui vous accusera. Mais si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, vu qu'il a écrit à mon sujet. Mais croire, si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Ah! Si vous croyez Moïse, vous, n'est-ce pas, me croiriez aussi, vu qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Le Seigneur est clair ici. En fait, il veut nous faire comprendre que si beaucoup de pharisiens n'ont pas cru en lui, c'est tout simplement parce qu'ils ne croyaient pas Moïse. Effectivement, quand on voit dans l'histoire, notamment dans Jean 15, Marc chapitre 7, on apprend que les pharisiens avaient remplacé la parole de Dieu par leur tradition, notamment la tradition orale, la Mishnah, tout ça là. Donc, ils avaient remplacé les écrits de Moïse. Ils disaient que, les pharisiens disaient que, à part la Torah, c'est-à-dire les écrits que Moïse a reçus de Dieu, la parole écrite, Dieu lui aurait donné aussi une parole, hein, une loi orale. Et c'est pour cela que la loi orale avait été, n'est-ce pas, mise au-dessus de la loi écrite. Donc leur tradition. Et c'est pour cela qu'un Christ est venu, au lieu d'aller vérifier dans la loi écrite que tout ce que Christ disait était écrit, était exact, pour croire en lui, non, ils avaient mis de côté la loi de Moïse, et ils ont préféré leur tradition, la loi orale, et ils sont passés à côté de la visitation. Vous voyez? C'est terrible. C'est pour cela que, mes amis, ceux qui se basent sur Moïse, parce que beaucoup d'églises d'aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui sont beaucoup plus fondées sur Moïse. C'est pour cela que Moïse m'a mal interprété. Et c'est pour cela qu'elle ne découvre plus Christ. Vous voyez? On va vous parler de la dîme, ça c'est Moïse. On va vous parler du dimanche comme le jour du Seigneur. Ça, c'est Moïse, le Shabbat, remplacé par le dimanche. Voyez, on va vous parler des temples, alors que c'est vous le temple du Saint-Esprit. Donc, voyez, ils n'ont pas compris Moïse non plus. Donc, c'est pour cela que Christ est comme voilé de nouveau. Et là où Christ n'est pas révélé, il n'y a pas de puissance. Véritable qui change les cœurs. C'est terrible. Et là, nous ne sommes pas rentrés dans Moïse. Toute la semaine là, on va aller voir Moïse pour qu'il nous parle de Jésus-Christ. D'accord? Donc là, ce soir, c'est juste l'introduction. C'est pour nous montrer que Christ est véritablement le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Dieu principal, le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il y a d'autres faux dieux, mais il est le Dieu véritable et plein d'amour
que nous sommes censés adorer. Voilà. Parce que toutes les Écritures parlent de lui. Voilà. Regardez. À l'époque de Moïse, Jésus-Christ n'était pas encore révélé comme le Fils. Hein? Donc, il se manifestait comment? En tant que Yahweh. Alléluia. Il dit à Moïse, si on te pose la question, Moïse dit, mais je vais parler aux enfants d'Israël. Si on me demande qui, quel est son nom? Jésus a dit quoi? Tu diras celui qui s'appelle, je suis. Et il a dit, je suis qui je suis. Voilà. Il ne voulait pas dire Jésus parce que ce n'était pas l'époque de la révélation du nom. Voilà, parce qu'il fallait que l'épouse soit là. Donc vous voyez que sous Moïse, parce que Jésus dit que Moïse a parlé de lui. Moïse a écrit sur lui. Or quand on étudie Moïse, on ne voit pas Jésus-Christ, on ne parle pas de Jésus-Christ, voilà, homme. On parle de Yahweh. Donc Jésus est Yahweh, Yahweh c'est Jésus. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole, mes amis. Gloire à Dieu. Or, Yahweh se révélait comme le Père d'Israël. Voilà. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous. Ouvre notre esprit, que nous comprenions ta parole. Que la religiosité soit brisée là-dedans, là. Que les fausses doctrines des démons qui nous ont enseigné des mensonges dans nos églises, tout ça là soit chassé et que ces doctrines tombent au nom de Yeshua. Attends. Moïse a écrit sur Jésus. On est d'accord, c'est écrit, non? Jésus l'a dit, non? Donc quand on lit Moïse, est-ce qu'on voit Jésus-Christ homme là-dedans? On voit le Père. Alléluia! Oh, vrai ou faux? Mais Trésor, est-ce que tu as les écailles que tu as là? Attends. Dieu est bon. Regardez. Qui a écrit l'histoire d'Abraham? Moïse. Qui est d'accord avec nous? C'est lui qui a écrit Genèse. Ok. La Torah. Bon. Quand Isaac a posé la question dans Genèse 22 à son père. Père, il y a le bois, la croix. Il y a le feu, le jugement. Le châtiment de Dieu qui est tombé sur lui. Qui devait tomber sur nous. Où est l'agneau? Le fils. L'agneau, c'est le fils. Le bélier, c'est le père. La brebis, c'est la mère. La brebis, c'est l'adulte. Voilà. Une brebis, voilà. Mais l'agneau, c'est l'enfant. Où est l'agneau? Comme c'était la révélation du Père, Yahweh a donné un bélier, le Père. C'est pour cela que Moïse a révélé le Père. Voyez? Mais pas le Père personnel des gens, le Père de la nation. C'est pour cela que les Juifs appelaient Yahweh leur Père en tant que Père de nation, mais pas Père personnellement, de chacun. Il est devenu le Père de chacun de nous grâce à Yeshua, homme, de son sacrifice. Voilà pourquoi il a dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père. Là, maintenant, tu peux le dire, mon Père à moi, grâce au sang qui a coulé. Alléluia! Est-ce que tu comprends quelque chose? Dis à ton voisin, c'est la semaine de la révélation. La semaine de l'illumination. Dis-lui, nous allons palper Dieu. Ou dis-lui, Dieu va nous palper. Dieu va nous parler. Dis-lui, nous voulons le rencontrer. Dis-lui, c'est la semaine de la rencontre. De la visitation. Alléluia. Jesus Christ. Oh! Non, Jésus, tu es magnifique. Donc Jésus, sous Moïse, même à l'époque d'Abraham, se manifestait comme le Père. Yahweh. 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 Oh, tu es mon espérance. Il est là. Hein? Yahweh. Yahweh. Oh, il est là ce soir. Yahweh, c'est notre papa. Tu es mon
espérance. Quand tout est fini pour toi, Yahweh est là. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Père, tu es mon espérance. On t'appelle Adonai, le Dieu d'Abraham. Tu es mon espérance. Yahweh, Yahweh. Oh Père, oh, you are holy God. You are my Father. J'aime tant Seigneur, laisse-moi t'adorer papa, tu es mon espérance, Jésus je t'aime Seigneur. Un jour je sais, tu t'élèveras. Oh! Jésus, dans ma famille, tout doux Jésus. Oh, un jour je sais, moi je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Oh. Jésus, oh, mon roi est assis, papa, oh, sur son trône, mon créateur, est assis, Jésus, je t'aime, sur son trône, tout doux, oh, assis, oh, papa, sur son trône, il est assis, yeah, sur son trône, il est assis, Jésus, oh, sur son trône, mon roi, est assis, Jésus, sur son trône, Jésus, Jésus est assis. Jésus est assis. Il est assis sur son trône, l'éternel des armées. Jésus est. Jésus. Il est assis sur son trône, l'éternel des armées. Oh! Jésus est. Il est assis sur son trône, l'éternel des armées. Jésus est. Ils sont levés. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Pour toi. Jésus s'est levé. Pour ta famille. Jésus s'est levé. Comme avec les tiens. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Jésus. Jésus s'est levé. Jésus. Jésus s'est levé. Oh Jésus. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Papa. Père, Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Oh. Je suis guéri. Oh. Je suis guéri. Affranchi. Je suis affranchi. Affranchi. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Oh mon Dieu. Je suis affranchi. Jésus. Je suis affranchi. Jésus. Je suis affranchi. Oh mon Dieu. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Jésus. Je suis affranchi. Jésus. Je suis affranchi. Mon Dieu. Je suis affranchi. Jésus. Je suis affranchi. Jésus, sois élevé. Je suis affranchi. Nous voulons t'annoncer. Je suis affranchi. Affranchi. Je suis affranchi. Guéri, délivré. Je suis affranchi. Guéri, 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 je suis guéri. Oh. Je suis... Il est assis sur son trône éternel des armées. Jésus, Jésus est, il est assis sur son trône éternel des armées. Papa est, Jésus est, papa, il est assis sur son trône éternel des armées. Papa, moi, papa est, mon père, il est assis sur son trône éternel des armées. Oh Yahweh, Yahweh, Jésus est Yahweh, Jésus est Yahweh, Yahweh.
Jésus. Yahweh, 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 Jésus. Acclamer mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Jésus. Jesus. De ma vie, c'est toi, Seigneur. Ne me lâche pas, ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur. Oh Dieu. Oh Père. Oh Père. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu es majestueux. Majestueux. Jésus, qui est comparable à toi, Seigneur. Ta présence. Oh Dieu. Souffle, Seigneur, mon Dieu. Souffle dans nos cœurs. Dans nos cœurs.
dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Oh Père. Je pense à tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Tout ce que tu fais pour nous. Jésus. Comment ne pas t'adorer? La gloire, notre Père, notre Dieu, notre Sauveur. Nous sommes là toute cette semaine pour toi, Seigneur.
Et nous voulons, Seigneur, le proclamer, le dire haut et fort, que nous sommes là pour toi. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui nous enseignes, Seigneur. Oh, l'amour de ma vie. L'amour de ma vie, Jésus, je t'aime, 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 oh, Jésus, je t'aime, Jésus. Jésus, je t'aime. En créole.
Dieu, mon Dieu. Alléluia. C'est magnifique ça comme chant. Waouh Seigneur. Seigneur, merci. Donc vous voyez, là, on est juste à l'introduction. Hein. Vous voyez comment sa présence vient dès la première soirée. Dieu attire son peuple. Moïse a parlé de lui. Et quand on voit Moïse, comme je vous le dis, hein, on ne voit pas le fils, on voit le père. Voilà. Le bélier. C'est ça, Moïse. Abraham, le bélier, le père de la foi. Moïse, le père a continué jusqu'à... Ensuite, tac, le père, Dieu, est devenu homme. Alléluia. Seigneur Yeshua. Pour donner un modèle d'homme que Dieu veut. Et ce modèle se trouvait en lui-même. Waouh. Vous voyez ? Et il dit ensuite, toujours dans Luc 24, on finit bientôt, il dit, toujours verset 40, Luc 24, 40, 44 et 45, il dit, dans la loi de Moïse, donc, puis il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Les prophètes. Alors, regardez bien, parce que là, c'est juste l'introduction. Hein. Les frères et sœurs qui vont venir, qui vont témoigner, les hommes qui vont nous apporter la parole cette semaine. Donc, on sera là, pour, comme je vous le disais, hein, c'est toute la semaine pour partager la parole et prier, adorer le Seigneur. Ben, ils vont pouvoir ben, aller dans ces trois sections des Écritures, la loi, Moïse, la Torah, les prophètes et les écrits, donc les psaumes, tout ça. Donc ils vont aller là-dedans chercher le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. En fait, les écrits de la Nouvelle Alliance, c'est la révélation de Jésus. Mais on va d'abord dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Pour chercher Jésus. Et là, il y a les prophètes. Et regardez ce que le prophète Pierre a dit. 1 Pierre 1. Le verset 10. À partir du verset 10. C'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée ont fait leurs recherches et leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par quel esprit? L'esprit de Christ, l'esprit prophétique de Christ, n'est-ce pas? Amen. Par l'esprit de Christ qui était où? En eux. Oh, on acclame la parole ici, mesdames, on acclame le Seigneur. L'esprit de Christ qui était en eux. En qui? Dans qui? Dans les prophètes. Citez-moi quelques noms de ces prophètes dans lesquels il y avait l'esprit de Christ. Ésaïe. Oh, ça c'est magnifique. Donc, ça veut dire que quand Ésaïe a écrit sa lettre, son rouleau. Il était inspiré par l'esprit de Christ. Mais Christ n'était pas encore né en tant qu'homme. Mais son esprit à lui agissait déjà. Donc en fait, quand on voit dans Genèse 1, quand on nous dit que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, en fait, c'est Dieu-là, c'est Jésus, justement. Parce que c'est cet esprit-là qui était dans les prophètes, frères et sœurs. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, reçois toutes ces acclamations. Alléluia. Waouh. Waouh. Alors, regardez bien. Pierre dit que les prophètes qui ont reçu des révélations sur la grâce ont voulu sonder l'époque où cette grâce allait se manifester. Vous vous rappelez, Tite a dit quoi?
la grâce salutaire, la grâce de Dieu salutaire a été manifestée. C'est le second qui a rajouté source de salut. Source de, enfin, c'est vrai que le Seigneur est notre source, mais le mot grec veut dire simplement salutaire. Donc, quand... Donnez-moi le nom du premier prophète de la Bible. Non. Enoch marcha avec Dieu. Enoch a prophétisé selon Jude. C'est le premier à avoir prophétisé sur le retour de Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment le premier prophète. Donc, Enoch a parlé du retour de... Vous n'avez jamais lu ça? Donc, il a parlé du retour de Jésus. Enoch, le septième homme après Adam. Il y a eu Adam, il y a d'autres. Enoch était le septième. Donc, Enoch déjà avait l'esprit de Christ. En fait, quand il a été enlevé, il était enlevé, non? Donc, c'est l'esprit de Christ qui l'a enlevé. C'est Christ qui a dit à son esprit, amène-le-moi là. Jésus, il est trop fort. Ah non. Waouh. Et c'est le même esprit qui va nous enlever lors du départ là. Bientôt, on va partir là, arraché du sol. Vous avez vu? Donc, Enoch avait l'esprit de Christ. Paul, Pierre, non, Esaïe, Habakkuk, Michée, Élie, Élisée, Ézéchiel. Ézéchiel a vu la gloire de Dieu. L'esprit de Dieu est venu l'enlever. Donc, c'était l'esprit de Christ. Daniel, tous les prophètes. Mais en fait, quand ils ont vu ça, quand l'esprit de Christ a commencé à leur montrer les choses qui allaient, notamment la naissance de Christ, ils ont voulu maintenant sonder. Ils sont rentrés dans des jeûnes prières. Ils ont commencé à jeûner, à s'enfermer, tout ça là. L'esprit leur a dit, c'est scellé, jusqu'à la fin de temps. À la fin de temps, le rouleau sera, les sept seaux de ce rouleau seront brisés. Vous voyez? Et la révélation sera donnée à l'épouse. C'est pour cela, de toutes les Écritures, de Genèse à Malachie, nulle part on a dit qu'on a vu la cuisse de Dieu. Moïse a vu le dos. Mais la cuisse, c'est l'intimité. C'est pour les noces. C'est pour l'épouse. C'est pour toi et moi. C'est pour cela, le dernier livre de la Bible commence par Révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire le dévoilement. Le voile est ôté. Tu peux maintenant voir. Tu peux maintenant le voir. Tu peux le goûter. Tu peux le palper. Tu peux toucher. La femme qui perdait son sang, qui a touché le pan de sa robe, elle, c'était encore la loi. Elle a touché le pan. Mais nous, ce n'est pas le pan de la robe, mes amis, là. Nous, c'est la cuisse, mes amis, là. Oh, Jesus. Non, je l'aime. Jésus, je le kiffe. Jésus, il est beau. Tiens, ton voisin, il est génial. Dis-lui, il est trop génial. Je veux inventer un mot. Il est génial, ma génial. C'est pour cela qu'il faut qu'on nous présente Christ. Il faut qu'on arrête un peu de nous embrouiller là, tout ça. Là. On veut le message. Dis à ton voisin, on veut le message. Jésus. Oh, il est terrible. C'est le révolutionnaire. Il est né en tant que révolutionnaire, frère. Sa naissance a révolutionné le monde. Sa naissance a marqué le temps. On parle d'avant Jésus et d'après Jésus. Pourtant, Bouddha existait 600 ans avant. L'hindouisme, 600 ans avant. Mais on n'a pas dit après Bouddha et avant Bouddha. Il n'y en a qu'un. Jésus est trop fort. Le message. Le message. Jésus est le message. Alléluia. Un bisou, moi. Posez-moi la question, pourquoi il a marqué le temps?
Là, je n'ai pas bien entendu. Parce qu'il est hors du temps. Vous avez compris? Alléluia! Parce qu'il est l'Éternel des armées, il est rentré dans le temps, il a marqué le temps, il a marqué la saison. Vous avez la semaine de la parole. Il ne faut pas rater. Il est là, hein? Jésus, il est là. Il est là. Il est là. Vous savez quoi? C'était le seul. Il est le seul qui pouvait arrêter le temps. Son esprit qui habitait en Josué a poussé Josué à dire au soleil, arrête-toi. À la lune, arrête-toi. Le temps s'est arrêté. Vous voyez? C'est pour cela qu'il est devenu homme. C'était, il est rentré dans le temps fini. Il sort de l'éternité, il rentre dans le temps fini. Et quand il est rentré, quand il est parti, le temps était divisé en deux. Le passé et le futur. C'est pour cela, par rapport à ta vie, je vais te donner une révélation que tu viens de me donner. Par rapport à ta vie, le temps aussi est divisé en deux. Il y a eu ton passé, maintenant il y a le futur. Alléluia! Alléluia! Jesus! Acclame-le! Acclame-le! Oh, Jésus reçoit la gloire! Jesus! Tu as vu. C'est-à-dire, avant Jésus dans ta vie, c'était Satan. C'était les sorciers, le péché qui régnait. Avant Jésus dans ta vie, c'était la mort, la peur, la condamnation. Mais après Jésus, une fois qu'il est passé par là, une fois qu'il est rentré, il y a eu l'après. L'après, c'est sa présence. L'après, c'est sa parole. L'après, c'est là. Oh, Jesus Christ. Dieu, il est trop fort. Vous avez vu? L'Esprit de Christ, c'est lui qui a commandé, dirigé les prophètes qui ont vécu avant la grâce. Vous avez vu? Et vous dites qu'il n'est pas Dieu? Quand Dieu, Yahweh dit dans la Bible qu'ils ont attristé mon esprit, mon Saint-Esprit. Mais on dit que c'est l'Esprit de Christ, non? Donc c'est Yahweh, Yeshua et Yahweh. Vous voulez voir? Nous sommes à minuit. Hein? Dieu m'a dit, on est à minuit, il faut présenter davantage Christ. À minuit, on cria, voici l'époux. Et là, les chrétiens véritables, les enfants du royaume céleste, vont tomber amoureux, amoureuses. Et ils vont se sanctifier. Ils vont se maquiller spirituellement. Parler avec la parole. Préparer leur robe. Et c'est alors qu'on va partir à l'enlèvement, frères et sœurs. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Jesus. Wow, Seigneur.
Oh. C'est pour cela que quand il pose la question aux apôtres, dans Matthieu 16, qui suis-je au dire des hommes? Ils ont répondu, il y en a qui disent que tu es Élie. Pourquoi? Ils ont vu en Jésus l'esprit d'Élie. Il y en a qui disent que c'est Jérémie. Pourquoi? Ils ont vu Jérémie. En fait, quand Yeshua a prêché, admettons qu'il prêche aujourd'hui le lundi, les gens vont voir c'est Michée. Le mardi, ils vont voir, non mais c'est bizarre, c'est Jérémie. Le mercredi, mais c'est bizarre, c'est Moïse. Mais comment un homme seulement, un seul homme, peut avoir multiface, multifonctionnement? Alléluia. Et Paul a dit, les dominations, les principautés dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment. Infiniment varié. Je veux vous dire quelque chose. Jésus a plusieurs variétés. Vous savez, mes amis, on dit que ces variétés sont infinies. Vous comprenez? Donc, seul Dieu est infini. Jésus est Dieu parce qu'il est infiniment varié. Frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les anges au ciel, depuis l'éternité, depuis qu'ils sont créés, ils ne cessent de découvrir Jésus. Parce qu'il est la sagesse infiniment variée. C'est-à-dire, quand il se manifeste, c'est une nouvelle variété de sagesse. Et là, les anges disent « Saint ». Il se manifeste encore « Saint ». Il se manifeste encore « Saint ». Il se manifeste encore « Saint ». C'est pour cela que nous ne sommes pas la religion des hommes. Nous sommes les amoureux. Il n'y a pas un seul fonctionnement. Nous avons plusieurs fonctionnements. Parce qu'il y a plusieurs variétés. Si Satan veut t'attraper dans la variété S, il y a la variété Z. Alléluia! Jesus! J'ai te voisé la parole! La parole! Nous t'accueillons ce soir. Porte, élevez vos linteaux. Le roi entre ce lieu. Oh. Honore, Seigneur. Magnifique. La présence du grand roi.
Vous avez vu, mes amis, sa présence là? C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Esaïe a dit, la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Vous vous rappelez, la femme qui perdait son sang a touché le pan de sa robe. Et il parle de Yahweh. Et des séraphins ne cessaient de dire Saint, Saint, Saint Yahweh. Des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et Esaïe dit, malheur à moi car mes lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et un des séraphins a pris une de pierre, n'est-ce pas? Et avec cette pierre, elle a touché les lèvres d'Esaïe. La pierre Yeshua qui sanctifie. Alléluia. Dieu va sanctifier nos lèvres afin que nous chantions, nous prêchions l'évangile véritable. Il va sanctifier tes lèvres afin que tu proclames la parole véritable. Il va sanctifier tes lèvres, femme, afin que tu prophétises véritablement. Il va sanctifier tes mains afin que tu guérisses les malades, que tu les imposes aux malades. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher les prophètes. Tu as l'Esprit de Dieu, va prier pour ta famille. Va imposer les mains à ta famille. Va prier pour les malades, femmes de Dieu. Oh, alléluia, tu es une sentinelle. Et Dieu va guérir, Dieu va sauver, Dieu va délivrer, Dieu va franchir. Jesus. Oh oui. Il t'a visité dans le passé. Tu as perdu un peu la foi, tu t'es égaré un peu. Et là, il te ramène à lui, femme. À partir de ce soir, je veux me révéler de nouveau à toi afin que tu parles de moi. Mon fils. Jesus. Oh, Jesus. Majesté. 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 Jésus est trop fort. Ça, c'est juste l'introduction ce soir. Je ne sais pas comment ça va se passer cette semaine. Lui seul le sait. Mais il est pressé de se révéler. Il est pressé d'agir. Oh, alléluia, jeune fille. Toi qui te poses des questions par rapport à ta vie. Au nom de Yeshua, Dieu sait. Dieu sait. Les prophètes appellent l'Esprit de Christ. Et enfin, il dit, les psaumes ont parlé de moi. Mes amis, vous savez ce que c'est les psaumes là? Des chants. Des chants, des cantiques chantés avec des instruments. La harpe, essentiellement. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que quand David avait sa harpe et qu'il chantait, il glorifiait Jésus. Toutes ces chansons tournent autour de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Il dit que les psaumes ont parlé de lui. Les psaumes, ça, c'est des chants. C'est ça les psaumes. Et on ne doit chanter que pour Dieu. Voyez? C'est l'adoration par les chants. Donc Jésus est Dieu. Et c'est ce que nous allons faire toute cette semaine. Partager sur Moïse, les prophètes, les psaumes. Comme les apôtres le faisaient parce qu'ils n'avaient pas encore les écrits de la Nouvelle Alliance. Et ils avaient la Torah. Ils avaient le Tanakh, la Torah, les prophètes et les écrits. Et c'est là-dedans qu'ils démontraient aux gens que Jésus est Dieu. Vous vous rendez compte? Et les Béréens, dans Actes 17, ils allaient vérifier dans ces écrits-là. Quand Paul prêchait, et en vérifiant Moïse, ils ont dit, mais c'est bien, Moïse a parlé de lui. Mais c'est vrai, la Pâque, eh bien c'est lui. L'agneau de Dieu, eh bien c'est la Pâque. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la sortie. Donc, si tu manges Jésus, tu sors du péché. Tu sors de l'emprise des démons, de la peur. Tu sors de la timidité. Tu manges l'agneau, tu as la vie. Tu bois son sang, tu as la vie. Et c'est ce qui va se passer cette semaine. Alléluia.
On n'a même pas parlé des évangiles et des épîtres pour révéler Christ. Mais juste ces trois sections des Écritures. Cette semaine, préparez-vous dans la prière. Sentez-vous libre. Ceux qui ont à cœur de jeûner, faites comme Dieu vous conduira. Nous voulons prêcher sur Yeshua, adorer Yeshua. Nous voulons invoquer son nom. Nous voulons le goûter. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Pierre dit, ah ben, peu importe les personnes qui vont partager l'évangile, nous ne sommes pas, nous ne voulons pas être idolâtres. On sera là avec vous pour partager la parole ensemble, pour, mais les frères et sœurs vont prier, annoncer Christ. Et on va louer, chanter. Merci Clint. Et ceux qui peuvent encore pour le piano, on va louer, louer, chanter, adorer le Seigneur. Au nom de Yeshua. Que toute la gloire lui revienne. On a fini pour ce soir. Voilà. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Je connais ce chant. Voilà.